moi j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve que les enfants qui font des choses avec leurs mains permet de mieux comprendre, de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, ça me fait penser à la low-tech, vous savez, ces solutions basiques avec leur carton, avec leur diode, etc. J'ai trouvé que ça leur permet de rentrer dans le sujet, puis aussi de trouver des fonctionnalités. On s'est aperçu que dans leur maquette, il y avait une petite serre pour produire des légumes. Dans un autre prototypage, il y a des toilettes ou des systèmes d'énergie, des systèmes de recyclage des océans. Enfin, ça, le prototypage permet de rentrer dans la mécanique de leur sujet. Bonjour, j'ai été vraiment ravie de participer à cet élan et découvrir avec tous ces jeunes tous ces projets pour demain. Je pense qu'une action collective dès le plus jeune âge est fédérateur. Je pense que c'est très important pour nous cette méthode d'apprentissage du faire ensemble. Faire ensemble, concevoir ensemble, discuter ensemble, monter ces projets. À très vite et bravo pour tous vos élans. Je voulais remercier l'équipe du Desanaton et les enfants pour avoir produit des idées super intéressantes, vraiment d'actualité. J'ai trouvé que c'était une très bonne façon d'engager la conversation sur les problématiques actuelles. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que les générations à venir vont avoir beaucoup à apporter et énormément de choses sur lesquelles réfléchir. Il faut que le dialogue continue, donc bravo à toutes et bravo à tous. Je pense que cette approche en intelligence collective permet de mettre les enfants au cœur, de donner du sens et surtout de leur montrer qu'ils peuvent s'engager dans des projets ambitieux et de faire entendre leurs idées. Cette méthode d'apprentissage collaboratif en design thinking est importante car c'est en apprenant dès le plus jeune âge à co-construire des projets ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions pour le futur.